Et salut à tous, c'est Jepacor et on se retrouve pour le 10e épisode de Super Mario Galaxy. Et aujourd'hui, a priori, on devrait obtenir les 60 étoiles nécessaires pour aller affronter Bowser. Et donc, pour commencer dans cette quête, on va finir les gerbes infernales. On s'était arrêté la dernière fois à 2 étoiles dans ce niveau. Donc, on va continuer. Alors, l'inévitable pluie de météorites. Effectivement. Ah. Et c'est une séquence. Normalement, ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Faudra juste que je pense à mettre ces contrôles correctement, mais ça devrait être faisable. Alors. Ah oui, c'est ce moment. Alors, le petit puzzle. Il faut en fait utiliser notre ami ici pour allumer les torches. Parce que, eh ben, ici, on n'a pas de Mario de feu accessible. Donc, voilà. C'était le moment où il fallait utiliser ça, je jure. Mais c'est déjà fini. Alors, ici, est-ce que. J'aurais tenté. J'ai cru que je pouvais m'en sortir vivant, mais non, c'est pas grave. On va pouvoir continuer. Hop. Alors, non, pas la peine d'aller au-dessus de toi, d'accord. Fais attention à. Oula! Ok, c'est bon. C'est bon. Heureusement qu'il y avait ce trou, parce que sinon, je pense que j'étais prêt à mourir. Hop, on évite ça tranquillement. En fait, j'ai même pas eu à éviter. Je suis juste arrivé au bon moment. Hop. Alors. Qu'avons-nous ici? Oui, d'accord. Des ennemis. Ah. Ok. Hop. J'aurais apprécié que tu n'arrives pas au même moment que moi. Mais apparemment, c'est trop demandé. Donc, nous avons à nouveau 6 d'énergie. Parce que c'est toujours bien d'avoir 6 d'énergie. Évidemment, il y avait à cet endroit une. Un fragment d'étoile, hop. Troisième fragment d'étoile, quatrième fragment d'étoile. Je ne sais pas comment je ne me suis pas fait toucher, mais tant mieux. Cinquième fragment d'étoile, et évidemment, il va falloir que je retourne là-bas pour aller à l'anneau étoile. Comment je n'ai pas vu arriver, je ne sais pas. Alors, bonjour. Ok. Ah, ah, en plus, il y a des obstacles. Oh punaise. Oula. Et il va falloir guider à Bilbal dans tout, à travers tout ça. Eh bé. Allons-y. Souhaitez-moi bonne chance. Bon ben ça s'est bien passé au final. Ça s'est très bien passé. Du premier coup. On peut continuer. Nickel. Je pensais que ce serait plus difficile. Alors. Il va juste falloir manette Wiimote debout. On devrait être prêt. Normalement, ça devrait marcher, j'espère. Ouais, ça va un petit peu en arrière à la position de base, mais c'est gérable. C'est franchement gérable. Oui, clairement. Donc, on va pouvoir avancer. Hop, je suis un fou. Voilà. Ça fait quand même du bien d'utiliser un stick pour cette séquence, je dois l'avouer. C'est plus précis. Oh, j'avais pas vu que c'était un trou, je croyais que c'était juste du relief. J'ai failli mourir, mais ça n'est pas arrivé. Et en fait, non. Ça me paraît plus sûr. Voilà. Bah, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Nickel. Aucun souci, on a cette petite étoile sans problème. Hop. Même pas besoin d'utiliser le drapeau. Hop. Vous avez obtenu une super étoile. Rien de très difficile pour le moment. Vous avez trouvé une étoile. Oui. Nouveau record. Oui. Fragment d'étoile. Oui. Sauvegarde. Ah oui. Il faut du coup que je mette sa Wiimote plus debout parce que sinon ça ne veut pas
capter les mouvements du... Ça ne veut pas capter le curseur. Ce qui est logique parce que si la Wiimote est debout, elle ne pointe pas au curseur. Alors, comète blanche en chemin. Je comptais faire la troisième étoile, mais si t'as une comète blanche pour moi, ça ne pose pas de souci. Alors, c'est quoi? C'est une seule chance? Ah. Course dans la marmite infernale, une seule chance. Ok. D'accord. Ça va pas être simple. Oh! Ah, parce que c'est l'étoile en entier. Oh non, mais d'habitude c'est juste sa fin. Oh non, mais... Oh là là. Il va falloir être prudent. Et je n'arrive pas à être prudent. Donc, ça va être assez compliqué pour moi. Hop. On va reprendre notre raccourci parce que ça m'évitera de me faire avoir par le G comme je me suis fait avoir la dernière fois. Voilà. Voilà. Pareil. Hop. Je ne prends même pas les fragments d'étoiles. Pas besoin. On arrive ici. Alors. Suivant. Il va falloir faire attention de ne pas se faire surprendre par ceci. Voilà. Wow, je suis mort. Première mort parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique. Ça va arriver assez souvent. Genre tout le temps. Genre toutes mes morts vont être à cause de ça. C'est... Déjà ce saut il était risqué par exemple. Hop. Déjà là c'est un saut en longueur. J'ai pas besoin de faire des sauts en longueur. Hein. Hop. Voilà. Ici, ça passe juste, mais c'est pas important parce que ça passe. On refait nos backflips. Hop, voilà. On monte. Le volcan qui va exploser juste après nous. Non, qui va être en éruption juste après nous. Hop, on arrive ici. Et cette fois-ci, on est prudent. Allez. C'est notre mission, être prudent. Alors, bon évidemment on ne va pas l'honorer cette mission, mais qu'est-ce que je vous disais. Cette fois-ci, ceci dit, ça c'est soldé sans trop de soucis. Voilà, c'est bon. Donc cette fois-ci, je ne vais pas attendre. Vous voyez déjà à la manière dont Anneau Étoile tourne que je tournoyais bien avant quand je devrais, mais comme c'est juste appuyé sur un bouton chez moi... Là. Ça pose pas de souci. On va pas faire le saut. Hop, alors. Ici, attention. Parce que il me semble que les jets font des dégâts. Je ne me suis pas encore fait avoir par des jets. Et je n'ai pas envie d'apprendre aujourd'hui s'ils font des dégâts ou pas. On va juste les éviter par principe de sûreté. Mais oui, je pense qu'ils font des dégâts. Sinon, pourquoi ils seraient là? Je vous le demande. Hop. On va tournoyer juste pour pas se faire avoir par cet ennemi. Et on arrive ici. Hop. Voilà. On monte là. Ici, on peut refaire ce saut-là parce que ce saut-là, il était quand même vachement cool. Et on arrive à la dernière phase. Alors, je m'étais pas pris de dégâts ici la première fois. Est-ce que je vais m'en prendre cette fois? On va voir. Alors par contre, je viens de me rendre compte que ça m'a téléporté en arrière par rapport à l'endroit où j'étais quand ça a activé la cinématique. Donc ça, je voulais signaler que ce n'était pas cool. On attend que ça tombe. On n'attend pas que ça tombe. En fait, si. Donc, on va pouvoir faire ça. On revient ici parce que sinon, on va avoir de la lave. Voilà. Hop, on peut monter. On monte ici. Wall jump. Ah non, même pas besoin finalement du wall jump. Et on ouvre
ceci en tournoyant. Et avant qu'il nous tue, on attrape l'étoile. Bon, c'était pas si difficile que ça. Au final, il m'a fallu que deux essais. Ça aurait pu être plus difficile, franchement. Alors, ça c'est fait. Fragment d'étoile ramassé. On va sauvegarder. Hop. Et on va aller changer un petit peu d'air et voir la flotte armée. Puisque celle-ci ne me fait pas particulièrement envie. En fait, si peut-être qu'on va aller la faire, je sais pas. Et la grotte du donjon, non, juste pas la grotte du donjon. Voilà. Je n'aime pas la grotte du donjon. C'est tout. Je n'aime pas. Donc, nous allons faire la flotte armée. Ça se trouve, je vais encore moins l'aimer. Mais bon. Laser en pagaille. Alors. Qu'est-ce que c'est que ceci? Oula. Effectivement, le titre ne ment pas. Il y a des lasers, c'est en pagaille. Bon, alors déjà, vous serez gentil de me laisser partir. Merci. Ici, on devrait pouvoir monter sans souci. Hein, en supposant qu'il faut monter, bien évidemment. Ouais, il faut monter. Ok. Bon, bah pour le moment, c'est simple. Alors, d'accord. Il va falloir vous tuer pour ouvrir ceci, je suppose. C'est ce que la logique voudrait, en tout cas. Hop. À vrai dire, la logique voudrait que quand quelque chose soit fermé, et en supposant que Mario ne doit pas entrer là-dedans, puisque c'est quand même logiquement des choses que Bowser a mis, la logique, ce qui serait logique, ça serait juste de faire en sorte que ça ne soit pas possible d'ouvrir. Je veux ceci. Je suis sûr que c'est possible. Allez. What? Pourquoi ça n'a pas fait? Pourquoi? Deux fois. What? Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Toi, donne-moi des pièces. Merci. Ici, ça se ferme pas complètement. Non, ça se ferme pas complètement. Ok. Donc, ouvrez-vous. Merci. Vous êtes un peu long quand même. Ici, hop. J'ai même pas envie d'attendre. Oh, je veux. Merci. Hop. Non, je pas. Foutu au jump. Je sais pas ce qui cause ça, mais je n'aime pas. Hop, on monte ici. Changement de gravité. Ouh. Ah, ça n'a pas changé dans le sens que je pensais. Mais bon. Ah oui, donc. Ah oui. Ah, ça va être sa joie, ça. Ah, ok. Ok. D'accord. J'ai failli mourir à cause de ce wall jump bizarre, mais je ne suis pas mort, donc tout va bien. Ok, ici. On fait ça pour... Ah, d'accord, le but était de monter. Je pensais que ça allait changer la gravité ou je ne sais pas quoi, mais... Après examination, c'était le processus logique. Et ici, on va pouvoir arriver dans ce tuyau. Hop. Alors. Ok. Pourquoi ça a décidé de voler, ne me demandez pas. Mais après tout, pourquoi pas, hein? D'accord. D'accord, il faut vraiment monter. Ah oui, et il y a une solution plus simple pour monter. Enfin, plus simple. Plus simple, ça dépend de qui. Moi, j'aime bien ne pas avoir à vous utiliser. Ça se trouve, je peux même faire des sauts là. Non, je peux pas. Ok. Ouais. Finalement, on va utiliser la méthode normale. Merci. Non! 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 Ce troll!
Ce troll. Je suis même pas énervé. C'est juste bien joué de la part des ennemis. Voilà, cette fois-ci, je fais mon boulot un peu mieux. Non. Voilà. Nickel. M'a pu monter. Ok, pas trop haut, d'accord. Voilà. C'est bon, on a fait les sauts au bon moment. Et nous arrivons à la fin, apparemment. Puisque. Ah, d'accord. Ça fait sens de m'orienter laser. C'est logique. Ouais, on arrive à la fin. Alors. Est-ce qu'il y a un moyen de tricher un petit peu? Genre, il n'y a pas un Mario Abeille ici ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas l'air. Hop, ici, si on va là, est-ce qu'on peut monter? Oui, on peut monter. Ah, ok. Ok, alors, attendez. Je suis sûr qu'il y a un moyen de passer. Regardez-moi faire. C'est tout. On va le faire. Enfin, peut-être. Peut-être. On va réessayer. Voilà, comme ça la caméra sera mieux. Ça sera plus simple. Hop. Ok, on va peut-être pas le faire. Ok, après réflexion, il se trouve qu'on ne va pas le faire. Ouais, ça n'a pas l'air possible au final. Bon, on aura essayé. Alors, il y avait quelque chose que je devais détruire pour le faire de la méthode normale. Ouais, c'était ça. Voilà. Et ça a l'air d'être une fuite d'eau. Une fuite d'eau qui libère quand même beaucoup d'eau. Je ne sais pas comment, mais. C'est une sacrée fuite d'eau. Hein. Hop. Et maintenant, est-ce que le reste est accessible? Ah, bah oui, on peut utiliser ça. Ah, pas bête. Ok. Donc, on y va. Et ici, on devrait pouvoir faire un saut. Parce que c'est quand même plus simple que d'utiliser le chemin normal. Et on a accès à l'étoile. Ok. Bah, c'était une petite étoile bien sympathique. Et nous arrivons tranquillement à 58 étoiles, donc plus de 2 étoiles restantes. Un nouveau chapitre a été ajouté au livre d'histoire. Hop, la partie a été sauvegardée. Et du coup, on va pouvoir continuer dans cette galaxie. Alors, tir de barrage, ok. Je suppose que tir de barrage, c'est pour me barrer moi. Ah, oui. Oui, je connais. J'ai déjà vu ça, d'accord. Je vois ce que c'est. Ça devrait pas être difficile, mais quand même un peu long. Alors, c'est dans quel sens si tu veux bouger? Ça a l'air d'être dans ce sens. Ok. Allez hop, c'est fini, j'en ai marre. Voilà. Hop. On va pouvoir avancer. À vrai dire, j'ai pas besoin. Je vais juste passer comme ça. Hein. Et du coup, j'ai besoin d'activer que le deuxième. C'était une méthode intéressante pour ne pas se prendre. Ouais, j'avais besoin que. Ah non, j'en avais besoin d'aucun des deux en fait. Bon, bah tant pis. Hop. Arrive ici. Ah, en fait, il suffit juste d'aller à droite. Oui, c'est logique. C'est logique, mais apparemment, c'était trop logique pour moi. D'accord. Ah, bah c'est plus simple d'un coup. Hop. Prends de la vie. Alors, si la caméra voudrait bien. Alors maintenant que j'ai envie de collecter ceci, merci. Hop.
Bonjour Monsieur Bobomps, je n'ai pas envie de te voir. Donc on va légèrement partir. Et nous voici. Waouh, ok. D'accord, je ne suis pas mort, mais il faudra que je fasse plus attention. C'est bien reçu. Aucun souci. On va pouvoir ici monter, c'est ça? Ouais. RIP, mon ancienne plateforme. Hop, on continue. On attend toujours. Voilà. Ici, le timing est bon. J'ai même du temps à attendre, du temps pour faire semblant de mourir. J'ai eu peur que ça tourne en une vraie mort, ce qui aurait été un peu idiot. Hop, on monte ici. Voilà. Bon, leur tir de barrage, soyons clairs, ils barrent pas grand chose. J'ai rien dit. Le tir ne barre peut-être pas grand-chose, mais cette barre m'a barré. C'est de la poésie là. Vous pouvez pas tester. Bon, bref. Ce qui est bien, c'est qu'on recommence pas depuis le début, apparemment. Ouais, on recommence pas depuis le début. Donc ça nous permet d'économiser un peu de temps. Des petits fragments d'étoiles, tant qu'à faire, même si j'en ai pas besoin. Hop. Oh. Ok, ça commence à être un peu plus dur à éviter. Ok. D'accord. J'aurais pas dû vous provoquer. C'est bon. En fait, si, je pouvais vous provoquer. Hop. Ah, je croyais que je devais. Ah oui, je dois aller effectivement. Je croyais que je devais aller les chercher, mais je devais aller. Touk. What? Ah, ok. C'est bon, nous avons notre 59e étoile. Flotte armée, tir de barrage. Nouveau record, fragment d'étoile, sauvegarde. Et pour la dernière étoile qui sera nécessaire avant la fin du jeu, je vous propose simplement de descendre tout en bas et d'aller parler à Ogwafruima pour faire une étoile quelque peu gourmande. Off. Je veux tes fragments d'étoiles. Si tu m'en donnes 400, je me transformerai. Pas de soucis, j'en ai largement assez. Hop. Ça y est, je suis repu. Alors, on y va. Transformation! Woo! Et il nous a créé une nouvelle galaxie. C'est probablement pour ça qu'il a besoin de plus de fragments d'étoiles. Donc, on va pouvoir y aller. Fabrique de gâteaux, à nous les bons gâteaux. Donc voilà, c'est la première galaxie de Guafruima. Et je trouvais que c'était plutôt sympa de finir sur une note positive comme ça. Donc pourquoi pas. Allons-y. Faut juste faire attention à pas mourir. Mais à part ça, c'est plutôt sympa. Alors par contre, je me demande c'est quoi le vert et en fait toutes les autres couleurs sauf le marron, parce que le marron c'est du chocolat. Mais le reste, je sais pas. Ne me demandez pas. C'est une étoile très très courte. Avec la petite musique sympathique. Voilà, on arrive ici, et on devrait déjà voir l'étoile qui est juste là. Hop. Voilà, bonjour. La super étoile est étroitement surveillée. Ok.
Allez, on rentre. Donc ça doit être de la fraise. Ça doit être de la vanille. Le reste, par contre, aucune idée. Ça, c'est quelque chose avec nappe à chocolat. Bon, bref. Ce n'est pas l'important. L'important, c'est qu'on a notre 60e étoile. Ce qui fait qu'on va rentrer ici. Fabrique de gâteaux à nouer les bons gâteaux. 60 étoiles, galaxie complète. Nouveau record. Fragment d'étoile. Nouvelle galaxie découverte. Ah, c'est la dernière galaxie du jeu. Vous devez vous sauvegarder, évidemment. Alors, l'observatoire de la comète a retrouvé toute sa puissance. Nous pouvons à nouveau voyager entre les galaxies. Pouf, zéro. Le moment est enfin venu. Veux-tu te rendre au cœur de l'univers où t'attend celle qui t'est chère? Pas tout de suite. On reviendra te voir au prochain épisode. Puisqu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Super Mario Galaxy. Et on va donc laisser la fin pour la prochaine fois. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Waouh! Bon, on va se quitter là-dessus. À commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et sur ce, c'était Jepacor sur cette belle vue de l'observatoire. Allez, ciao tout le monde!